Toujours pas, hein. Ça veut vraiment pas tomber. C'est horrible. Ça fait combien de coffres qu'on ouvre là? Allez, la boîte d'une vie. Oh oui, Billy qui tombe! Enfin, on l'attendait, ça faisait tellement longtemps! Coucou! Alors les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi comme d'habitude, ça va super, c'est Pentagonix. Merci pour les 44 abonnés, et ouais, on monte petit à petit. Aujourd'hui, on a débloqué Billy, comme vous l'avez vu, ça fait vraiment plaisir. On est parti pour un survivant en showdown. C'est parti, let's go! Alors on va l'apprendre à la jouer Billy, je vais vous montrer. Donc comme on voit, ça tire, c'est vraiment pas mal en fait, parce que ça tire vraiment un arc de cercle. Donc ça permet de toucher beaucoup de nombreuses cibles en fait, très très facilement. Et sa première attaque, dès qu'on a nos 3 attaques de chargée, on a une petite barre jaune qui charge. Et en fait, eh bien, notre première attaque, quand la barre jaune est pleine, elle permet de faire repousser les ennemis. Donc, vous voyez, c'est quand même une grande zone, c'est pas très très loin, mais c'est quand même une grande zone. Donc franchement, c'est assez cool pour ouvrir plusieurs coffres d'affilée et ça met pas mal de dégâts. Donc, ici on est encore vite pour l'instant. Regardez, voilà la première attaque. Bon, là il y a eu un mur, donc elle a pas pu décoller, pardon. Oula, non, 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 mince. Allez, allez, allez. Oui, la bulle qui fait mal. Alors, malheureusement, il va prendre notre énergie. La bulle, elle fait vraiment très, très mal. C'est assez cool parce que franchement, la bulle, elle est vraiment forte. Hein. Sérieusement, je vous le dis, elle est vraiment forte. Donc, on a un Mortis qui est là, on a notre petit robot qui va nous suivre. Je vais essayer de le pousser, hein, le robot, sur quelqu'un d'autre. Ouais, ça va être chaud. On a du El Costo au centre. Non. Il arrive pas, il veut pas aller sur... Il y a du Ricochet aussi, j'ai vu. Ok, donc il reste nous 4. Bon. Comment on va gérer ça? Je voudrais pousser le robot. Ah voilà, enfin. Enfin débarrasser. Oh là 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 là. Non, 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 non. Non, je veux pas mourir. Ouah. Oh, c'était chaud. Bon, mon ami Mortis, il est mort. Il reste plus que nous 3. Il reste plus que nous 3. Alors, on va laisser faire les choses. Attention, il y a le robot là-bas. Bon. Il est mort. Attention. Allez, Billy, un coup, c'est possible. La bulle. Mais oui, la bulle qui fait mal. Oh là là, franchement, GG. GG la game. Ah ouais, c'est vrai, plus 10 trophées. Ça fait vraiment plaisir. Oh là là, petit top 1 avec la bulle, ça fait vraiment plaisir. Elle fait vraiment mal, Billy. Hein. Faut vraiment bien la gérer, c'est vraiment cool. Le but de cette vidéo, c'est quand même de jouer avec Billy. Et si je perds, eh bien, je vais devoir acheter un skin de l'été. Donc voilà. Alors quand même, regardez-moi ça. Billy, entre-temps, on l'a vraiment bien monté. Elle est ici. Alors, il reste 12 trophées pour la passer en 15. Alors, on va la choisir. Je pense qu'on va faire une razzia. Alors, on regarde la map quand même. Ouais, ça passe. Donc, on est parti pour une razzia avec Billy. Let's go. Wow, je suis arrivé en pleine partie, j'ai rien compris. Oh, merci beaucoup. Ah, je suis solo aussi. Venez m'aider. Alors, il y a Dynamite qui a 3. Non, que 2. Alors, le fait d'avoir un Poco, ça va vraiment nous aider. Mince. Non. Ah, c'est horrible. Je pensais pas qu'il peut me toucher. En fait, il tire très loin. Alors, il est là, le Franck. Encore? Mais non, gros. Allez, le pouvoir de la bulle. Oh, non, dommage. Bien joué, Dynamite. Bien joué. Ouais, bien joué, mais ça va nous prendre les gemmes. Là, il est joli, le canard. Ah là là, c'est impossible. Franchement, j'ai pas envie de perdre. 5 partout. Ça va, c'est encore possible.
Ah bah attention. Ah bah. Non, on a plus de gemmes. Donc en fait, bah, ils ont tout pris. Je pense, le Franck, il faut le tuer. Allez. Tout sur le Franck. Maman, c'est bien joué de l'autre côté. Dommage. Allez, là, là, on peut avoir le Franck. Allez, là, c'est bien joué, bien joué. Oh non, dommage. Oh non, dommage. Non, non, c'est le jean qui a tout. Ah non, 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 on aurait pu tout gagner. On aurait pu reprendre l'avantage. Là, ils en ont 16 quand même. Ça va être assez chaud. Voilà, c'est impossible, c'est lui qui a les 14. Bon, c'est fini. C'est fini. Et on a perdu. On a perdu avec Billy, malheureusement. C'est dommage, c'est dommage. Alors les amis, chose dite, chose promise, chose due. Alors on va ouvrir cette boîte d'abord. Voilà, Poco Rosa. Donc on va devoir s'acheter un skin de l'été. On va regarder dans le shop pourvu qu'il y en a. Ah, alors déjà on a une offre spéciale, ok. Deux tickets, de bonus tickets d'événement. Et oh, alors des skins, on en a plein. Hein. Donc on a ces deux là, Broc à la plage. Ici. Et on a aussi Jesse Estival. Après, on a Bartabador. Et enfin, Mike Corset. Alors, après, bon, on a pour le magasin Star les ressources. Franchement, on va essayer Broc à la plage. Et après, on va voir Jesse pour voir quel est le brawler qui va le mieux. Alors, regardez-moi ça. Petit bro avec ses lunettes. Franchement, il est pas mal. Alors, niveau fusée, ça change pas. Ok, donc en fait, c'est juste le skin. Juste le skin qui change. Avec le petit requin. Donc, c'est le requin qui tire les fusées. Ouais, pas mal. Pas mal. Maintenant, on va aller voir Jesse Estival. Donc ils sont réduits en tout. Je rappelle quand même qu'ils valaient 80 à la base. Allez, on essaye Jesse Estival. Alors. Franchement, il est pas mal stylé avec son petit tuba là. Le petit tuba qui va bien. Le petit pistolet à eau. Donc c'est pareil, hein, ça. Ça va pas plus loin. J'ai envie de faire un test. Ok, alors maintenant on va mettre le petit canard. Attention. Eh ben, il est pas mal, hein. Franchement, il est vraiment joli, le petit canard. Non, il est vraiment sympa. C'est vraiment marrant. Je pense que, ouais, j'ai opté pour le... Je pense que je vais prendre Jesse. Je pense qu'on va acheter Jesse Estival. En plus, on a une offre. Donc, ça, c'est cool. Donc, du coup, on est parti. Jesse Estival, skin de l'été. Let's go, on achète. Oh là là, ça donne. Franchement, ça me donne les frissons dans le dos à chaque fois que je vois un nouveau brawler qui apparaît. Et ça fait plaisir parce que, du coup, bah, c'est un tout nouveau skin. Un nouveau dans la collection. Amis, nous allons voir les trois nouveaux. Pouvoir Star qui sont sortis cette semaine. Alors on commence avec Rosa. Rosa, on connaît tous le premier soin par les plantes. Rosa récupère 200 points de santé par seconde quand elle est cachée dans les buissons. Donc ça on le savait. Maintenant le deuxième, c'est encore mieux. Au lieu de récupérer de la santé dans les buissons, et eh bien quand elle active sa bulle, gants épineux sont super. Et bien les coups de poing, Rosa inflige 200 points de dégâts supplémentaires. Donc non seulement elle est invincible, mais en plus elle va faire deux fois plus mal. Donc dès qu'elle active sa bulle, franchement vous êtes mort. Alors franchement Rosa c'était beaucoup joué avant, maintenant moins. Mais franchement je pense que ça a vraiment un très très bon start power. Franchement ça va vraiment faire la différence. Ensuite on a un deuxième pouvoir star qui est celui de Colt.
Alors Colt, le premier, c'est sa vitesse. Bonne neuve, la vitesse de déplacement de Colt augmente de 8%. Donc voilà, il allait un peu plus vite. Maintenant le deuxième, ça va vraiment aussi être vraiment très efficace. Colt, spécial magnum, il va tirer deux fois plus loin. Voilà, enfin peut-être pas deux fois, mais il va tirer beaucoup plus loin. Sa portée et la vitesse des balles de Colt seront augmentées de 11%. Donc déjà que ses tirs sont en rafale, pardon, et bien il va tirer deux fois plus vite. Et aussi, beaucoup plus loin, vous allez voir son ulti, c'est horrible. Franchement, entre avec et sans, on a vraiment une très grande différence. Il va pouvoir faire plus de kills. Autant, sa portée va être aussi longue que Piper. Voilà. Et enfin, le tout dernier, eh bien, c'est le Star Power de Ricochet, juste ici. Alors, le premier, c'était Super Rebond. On savait que dès que les balles touchaient un mur, eh bien, si elles touchaient un adversaire après avoir touché un mur, elles faisaient 100 points de dégâts supplémentaires. Eh bien là, c'est totalement différent. C'est Repli Robotique. Si la santé de Ricochet descend les 40%, il court 34% plus vite. Franchement, on la voit la vitesse, hein. Ça, je vous le dis, je l'ai essayé, on la voit la vitesse. Alors, je ne vais pas l'essayer parce que je vous laisse faire chez vous. Voilà, sinon ça prendra trop de temps dans la vidéo. Mais franchement, dès qu'il n'y a plus beaucoup de vie, il va deux fois plus vite. Donc franchement, pour s'échapper, c'est vraiment bien pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de vie. On ne va pas se quitter comme ça, on va bien sûr essayer le tout nouveau skin Jesse Estival en point chaud survivant. C'est parti en solo. Donc les amis, on va se quitter sur gameplay. D'abord, je voulais absolument vous remercier pour les 44 abonnés. Ça fait vraiment plaisir. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'est aussi génial. Abonnez-vous, franchement, à la chaîne si vous êtes tout nouveau. Activez la cloche des notifications, franchement. Likez la vidéo. Moi, ça me fait vraiment plaisir. Et sur ce, eh bien, ciao tout le monde. Et à plus dans une nouvelle vidéo. C'était Pentagonix. This is our church.